Je vais vous dire la vérité. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est ActuGreatTB2 et on va regarder une story de Nasdaq. Et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner. Et bon visionnage. J'en ai marre. Je vous jure que j'en ai marre. Ma routine. Je sais pas pourquoi j'en ai marre en fait, mais je suis blasé. Je suis blasé de la vie. Je suis cerné. T'as une femme, t'as un enfant, t'as ta maison, t'as tes sous pour toi. Regarde personne. Je sais que j'ai de la chance. Je sais que je dois dire Alhamdoulilah, mais je te jure que, Mandy, j'en peux plus. Faut pas regarder les gens, mon sang, devant Dieu. Depuis que je te connais, 35 ans, t'as 27. J'en sais, je te regardais, tu donnes toujours. Dehors les gens. Je suis posé depuis tout à l'heure avec Mandy, elle est en train de me donner des conseils de grande sœur. Non. Mandy, t'as 35 ans. Et depuis que je te connais, pourquoi tu prends jamais soin de toi? À mes yeux, t'es belle, ma chérie. Mais tu prends jamais soin de toi. Voilà, parce que j'ai pas de sous. Ah non, c'est pas une excuse. Parce que t'as pas de sous, tu prends pas soin de toi. Voilà. Mais est-ce que t'aimerais que je ramène des personnes qui te relookent de la tête aux pieds? T'aimerais? Ah oui. T'aimerais de vrai? J'autorise pas du tout, mon pote. À quoi tu joues? Ah voilà. Mais comment ça? Ben voilà. Ça fait 2 ans que je l'ai. Ça fait 2 ans que tu l'as, la sacoche? Ouais. T'es un gros menteur. Tu veux juste faire comme moi? Regardez ma sacoche. Oh lolo, tu veux faire comme moi? Non. Elle ressemble peut-être à la sacoche de Nasdaq, mais l'intérieur. C'est pas du tout la même chose, hein? Elle ressemble peut-être à la sacoche de Nasdaq. Tiens. Comme ça va faire un peu comme la sacoche de Nasdaq. Et dis-moi, cet argent, tu vas avoir le même cœur que Nasdaq, tu vas le donner? Tiens. Pour le relooking, j'ai fait appel à une équipe de choc. Une styliste, une coiffeuse et Sabrina. Sabrina, plus besoin de vous la présenter, la chanter. Chaque fois que je fais un relooking, je fais appel à elle et elle vient avec son équipe. Mandy, tu vas suivre ces 3 personnes. Tu connaissais la Mandy de maintenant? On va connaître la Mandy de plus tard. Tu les écoutes, d'accord? Oui. Je te fais confiance. Confiance en moi. Sabrina, t'en penses quoi? C'est un vrai challenge? Je ne mens pas cette fois-ci, c'est un vrai challenge. Et elle n'a jamais pris soin d'elle parce qu'elle n'a pas de sous. Honnêtement, c'est faisable. C'est faisable? Rien n'est impossible chez moi. Oh là là là! De temps en temps, je filme la peur. Je suis énervé. Je vous jure que je suis énervé, la chanté. Tu t'appelles comment? Jean-Baptiste. Tu t'appelles Jean-Baptiste? Ouais. Tu viens d'où? De Bretagne. Et t'es venu au quartier pourquoi? Bah pour te voir. Pour me voir? Ouais. Et quand t'es arrivé, il s'est passé quoi? Bah là, on m'a dit ouais, vu que j'avais pas d'argent pour prendre une nuit d'hôtel, on m'a dit ouais. Il t'est arrivé quoi? Bah on m'a volé mon téléphone, ma carte bancaire. Il est venu pour me voir et au quartier, ça lui a volé sa carte bancaire et son téléphone. Jean-Baptiste. Tu sais à peu près à quoi il ressemblait le mec? Ouais, à peu près. Vite fait, mais pas trop. J'ai une mission. Le retrouver. Enlève, s'il te plaît. Oh, c'est juste pour une identification. Vas-y. C'était eux? Non. C'était pas eux? Non. Enlève, s'il te plaît. Oh, c'est juste pour une identification. C'était lui? Non. On continue. Putain, mais on est des milliers d'habitants dans ce quartier. Ça va être galère de le trouver. C'est lui? Non. C'est pas lui? Non, c'est pas lui. T'es sûr? Oui, je suis sûr. Oh, je suis en train de faire tout le quartier avec lui. Ouais. C'est lui? Non. Pourquoi tu rigoles? Vole pas, hein. Bah, c'est pas lui. J'y vole pas, moins. Ouais. C'est eux? Non. C'est pas eux? Non, c'est pas eux. Allez, tu peux accélérer. C'est pas lui, hein. C'est une fille? C'est pas elle. On va le trouver. C'est eux? Non, pas du tout. Pas du tout? Non. Nous, on vole pas les abonnés. Vous voulez pas les abonnés? On vole pas les abonnés, mais on vole les autres abonnés. Non! Oui. Tu voles personne, que ce soit abonné ou pas. Ouais. Allez, cassez-vous, allez jouer au foot là. Allez. C'est lui? Non, pas du tout.
Je sais qui c'est, l'enchanté. On m'a montré une photo, enfin on lui a montré une photo, il a dit oui, c'est lui. Et j'ai été con. Comment j'ai pu passer outre ce visage? Je savais que c'était lui. Cache-toi bien. Chinois. Oh, Chinois. Ouais, Chinois. Ouais. Tu fais quoi? J'y vais. Allez, viens. Quand je t'appelle, tu sors. D'accord? T'as rien volé? Je te le promets, j'ai arrêté de me ça fait des années. Mais depuis tout à l'heure, j'ai fait une story, on m'a montré ta tête. Comment? Comment ça, comment? Comment je jure maintenant que t'as pas volé le téléphone. Je te jure, j'ai pas volé, c'est bon. J'y vais. C'est qui lui? Oh, quoi, ouvre! Oh là, j'ai vraiment cru que t'avais arrêté le vol. Tu voles des têtes d'ange, le pauvre, t'as quel âge? 16. T'as 16 ans? Ouais. Il a 16 ans? Ma soeur, je te promets, j'ai besoin d'argent. Je m'affiche. Ah, t'avais besoin d'argent? Ah, t'avais besoin. T'as besoin d'argent? Sinon, je t'ai dit quoi? Viens me voir. Ah, c'est vrai. C'est vrai. À chaque fois, tu me dis ça et à chaque fois, tu revoles. C'est une habitude. C'est une habitude? Ouais. Bah, c'est pas ta faute, du coup. Non. Bon, là, j'ai même pas envie de rigoler avec toi. Je te le rachète. Redonne l'iPhone 11 Pro du jeune. Je te le rachète. Je l'ai vendu. Comment je vais pour le récupérer? Tu l'as déjà vendu? Ouais. Parlez-lui, hein? Ouais, l'argent, il est où? Tu l'as vendu combien? Une somme de merde, j'en suis sûr. Combien? Combien? 50. Pour 50 euros? Tous ces billets de 20 euros, là. Tu sais, ils sont pour qui? Non. Tu sais pas, ils sont pour qui? Non. Réfléchis bien. Pour moi? Ah, mais oui, ils sont pour toi, prends-les! Prends-les, va te racheter un. Waouh! Allez, fais un bisou. Ouais, tu m'as fait un bisou là, Allez, va t'amuser, mon grand. Merci, c'est gentil. Allez! Waouh! Allez. Juste ici, la chaîne T, il y a un compte. Un compte qui s'appelle lachaîneT.fr. Numéro 1 en divertissement et en actualité en France pour moi. Juste après, je vais vous mettre des vidéos, le prototype. Et juste. Ça tombe bien, demain, je vais être avec la chaîneT.fr. On va venir dans une ville en France, il va acheter une Play 5 et il va la faire gagner. La ville, c'est peut-être chez toi. Et pour toutes les personnes qui ne seront pas de cette ville-là, il va offrir deux pubs. Deux publicités pour des personnes qui ont des entreprises, etc. N'hésitez pas, ajoutez-le. Si je le partage, c'est qu'il a un grand cœur lui aussi. La chaîneT.fr, Play 5 demain. Du n'importe quoi. Quoi? Wallah l'adam que je te reconnais plus, c'est effrayant. Qu'est-ce que? Je pensais que t'allais faire un tatouage pour délirer. T'es en train de te faire tout le corps. Une fois que j'en ai fait, après ça y est, c'est pareil. Mais attends, mais je suis désolé, excuse-moi. T'es en train de faire une gazelle? Non, rigole pas avec ça. Le prénom de ma mère en arabe, ça veut dire gazelle. Et c'est pour ça que j'ai fait ça. C'est un hommage que je lui rends là. Mais ta mère, elle est musulmane? Ouais. Et elle est d'accord avec les tatouages? Non. Quand même un hommage, c'est beau. 15 ans. Les deux, vous avez 15 ans. Ouais. Et vous allez vous tatouer. Ouais. Tu laisses ton fils se tatouer? Je veux pas, Nasser. Celui par la force, je veux que je. Il a 15 ans, mais le laisse pas choisir. Voilà, son anniversaire dans deux jours, il veut le tatouage, Nasser. Et moi, je suis. Son cadeau d'anniversaire, c'est un tatouage. Nasser. Mais tu vas pas. Hey, Kinei, ça reste à vie. Non, je vais le faire, tous mes collègues. Non, je vais le faire, mon monsieur. Eh, hey, mais l'histoire, mais c'est quoi cette génération? À son âge, j'avais pas le droit de sortir dehors. Aujourd'hui, on se tatoue. Et le papa, juste parce que c'est son anniversaire. Ah, vas-y, voilà, hey, c'est trop. Je jure, sur la tombe de mon père, je me suis mis à genoux. Hein. S'il y en a un d'entre vous deux qui fait un tatouage, je lui arrache la tête. Mais ma mère, il m'a dit oui, mais lui, non. Voilà, ça... hey, écoute, j'ai même. Non, mais... Tu ne te tatoues pas. T'as déjà fait un tatouage. Ferme ta gueule, ta gueule, parce que regarde, je vais finir par me battre avec toi. Ferme-la. Oh, tu fais un tatouage, je t'arrache la tête. Non. Oh, en aucun cas. Vous le laissez passer. Jamais.
Oh, ouais. Crie jusqu'à demain. Je vais appeler la police. Appelle même le FBI, j'en ai rien à foutre. Mais je vais faire un tatouage. Tu ne fais pas de tatouage. Je vais faire un tatouage. Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais tu veux taper un tag avec moi? Tu fais pas de tatouage. Je vais sortir, moi. Je vais faire un tatouage. Je le ferai pas, tu fais pas. Mais pourquoi je peux pas? Le mec qui tape sa crise, t'as déjà fait un tatouage. Regarde là, 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 chez T. T'as déjà fait un tatouage. T'as 15 ans, Mayel. Mais c'est mon corps. Eh, vas-y, tape ta tête contre le mur, tu sors pas. Oh, le laissez pas sortir, hein. En aucun cas, voilà. Oh, Krishka, demain. Et là, toi aussi, tu m'en feras un petit tatouage, c'est discret. Un petit. Mais je comprends pas comment on banalise le fait de faire des tatouages. J'ai rien contre les gens qui font des tatouages, mais c'est haram. Je sais, mais parfois, c'est compliqué. Et j'ai une question. T'aimes bien ton métier? C'est le plus beau métier du monde. Bah, j'en doute pas que c'est le plus beau métier du monde, j'en doute pas. Frérot, tu prends les stagiaires? Ouais, regardez le monde qui est venu, s'il vous plaît. Vous voulez pas partir, en fait? Non, on aime bien le tatouage. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Qu'est-ce que tu fais là, va-y, oh, Nico? Dans la chambre, je te dis. Oh, je te dis quoi? En aucun cas, il sort. Après des heures de travail acharné, l'équipe est au complet. On va enfin voir le résultat du relooking extrême de Mandy. Les gars, juste souvenez-vous, Mandy, c'est le prochain snap. Ouh là là, le résultat. Ouh là là, le résultat, j'ai envie d'avoir. Montrez-la. Oh là là! Incroyable! Oh là, incroyable! T'es magnifique! Oh là, t'es magnifique! Eh hey, les gars, tu pries pour manger! Oui! Oh, c'est sa grand-mère! Tu l'as déjà vue aussi belle? Est-ce que tu l'as déjà vue aussi belle? Elle est belle! Sabrina, ça c'est toi, Sabrina! Voilà, c'est. On est bien d'accord pour dire que Mandy, t'es plus belle que Ella, pas vrai les gars? Bien sûr! Non mais bien sûr! C'est... T'es trop belle, Mandy! Elle est belle! Aïe! Aïe! Une équipe de choc! Oh la chaîne T, j'ai parlé avec eux. Et je leur ai dit pourquoi vous lancez pas un concept de relooker des personnes dans toute la France? Et c'est ce que Sabrina, elle va faire. Déjà là, elle a l'équipe, chacun a son rôle. Son snap, il est ici. Merci à elle, la meilleure. Il y a 500 euros, Mandy. Tiens. Merci. Maintenant, t'as de l'argent et t'es magnifique. Merci, mon bébé. C'est pour grâce à toi. Oh, ouais. Travail, c'est bénéfique, mon bébé. Ouais, merci. C'est magnifique, mon bébé. Et voilà, c'était la story de Nasdas, donc avec le follower qui s'est fait voler, Et c'est vrai que le quartier de Saint-Jacques, surtout la Grande Place, c'est devenu glauque. Franchement, c'est devenu glauque. En général, les gitans, c'est rare qu'ils volent parce que c'est très mal chez les gitans de voler. C'est vraiment un truc très grave. Bon, ça fait nécessité félois si c'est pour se nourrir, tout ça. Mais c'est assez rare, quoi. C'est assez rare. Donc, et les tatouages en islam. Dit que c'est plutôt. C'est autorisé pour les femmes, il me semble, le tatouage, mais pas pour les hommes. Voilà, savoir que le tatouage au aîné, c'est une institution, mais c'est des tatouages temporaires. C'est pour les mariages, les trucs comme ça, tout ça. C'est plutôt les femmes, c'est pas les hommes. C'est pas les hommes qui font le tatouage. Après, moi je dis chacun sa peau, quoi. Chacun pour sa peau. Chacun sa peau. Et encore, je préfère quelqu'un qui se tatoue et qui fait chier personne que quelqu'un qui prie, qui emmerde tout le monde en commençant par ses proches, hein, franchement, entre nous. Le comportement aussi. On oublie trop souvent le comportement. Il y en a beaucoup, ils se disent musulmans parce qu'ils font les choses les plus faciles de l'islam, en fait. Tout simplement. Voilà, sans se prendre la tête, quoi.
C'est une étiquette qui se pose alors que leur comportement est aux antipodes. Ouais, les antipodes, c'est un pays. Aux antipodes, ça veut dire que leur comportement est tout le contraire. Et tout le contraire de tout ce qu'il y a de religieux chez les, dans toutes les religions, quoi. Dans toutes les religions. Voilà, moi je dis, ouais, y a beaucoup d'Arabes, finalement, de Maghrébins qui font des tatouages, mais pour moi, s'ils emmerdent personne, c'est leur peau, quoi. C'est leur peau. Après, la plupart du temps, les gens, ils regrettent, surtout en vieillissant, parce que la peau, elle se détend un peu, et du coup, le tatouage, il n'a plus du tout la même forme. Ça peut faire des surprises. Ça peut faire des surprises après. Voilà, après... voilà, et les frères Grasse. Les frères Grasse avec les tatouages. Par contre, si un jour ils font un truc de maigrissement, oui, le tatouage, il n'aura plus du tout la même forme. Il n'aura plus du tout la même forme. Et la transformation de Mandy, incroyable. Incroyable la transformation de Mandy. Donc, du quartier de Saint-Jacques. Voilà. Là où il y avait l'ancien bâtiment, le 4B. Voilà, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt, les amis, les potos, pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé. C'était Actu YTB2, premier sur les actus, les infos des influx. Tchuss et à plus.